Wesh, le petit Louis Root, vendredi 29 octobre de l'année 2021. Alors, on va traiter un peu le côté économique et la situation. Donc, je rappelle que je suis informaticien. Ce pays est incapable de me proposer un boulot à la hauteur des compétences que j'ai. Et plus fort que ça, donc on nous place dans des stages pour cacher la courbe du chômage. Ces stages sont payants, ils sont très chers et sont donc payés par le contribuable, donc les entreprises. Ça ne sert généralement à rien puisque ça ne débouche jamais sur un emploi. Et surtout, ça donc accroît le coût du produit fini de nos entreprises. Je rappelle que nos entreprises doivent concurrencer avec des pays comme la Chine. Voilà. Donc je dis généralement. Avec le temps, maintenant, j'ai réussi à vivre comme une fourmi, c'est-à-dire à dépenser. Je me suis habitué à un RSA. Je pars avec comme objectif le matin de dépenser le minimum de pognon. Et donc à l'heure actuelle, il me reste 3 euros. Et je vais avoir, donc il faut tenir jusqu'à vendredi prochain, 460 euros vendredi prochain. Le fisc a mis un avis à tiers détenteur sur mon compte, ça m'a coûté. Ça a donc me coûté 20 euros et j'ai eu, je crois, 50 euros de prime de retour à l'emploi. C'est Coluche qui avait dit que si on mettait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. On en a la preuve qu'il avait entièrement raison. Voilà. Attention à mon dos, attention à mon genou. Il se fait vieux, s'il te plaît. Il se fait vieux, il va avoir 60 ans en 2022. J'aime des roses fanées, les vieilles peaux, ta gueule. Ta gueule filou, je parle à moi, j'insulte personne.